Y aurait-il du remue-ménage à Monte Quito? 3 ans après que le prince Harry et Meghan Markle ont posé leurs valises dans ce quartier chic de Los Angeles, le duc et la duchesse de Sussex ne s'entendraient plus avec leurs voisins. C'est en tout cas ce qu'a rapporté une source proche du couple à nos confrères du média The News. L'attitude hautaine de l'ancienne actrice de Suits énerverait fortement ceux qui vivent près de chez elle. Meghan est d'une arrogance folle et nous avons hâte qu'elle parte, auraient déclaré ses voisins à nos homologues américains. Et les relations entre Meghan Markle et son voisinage ne semblent pas près de s'arranger. Toujours selon The News, les habitants de Monte Quito seraient furieux contre le duc et la duchesse de Sussex après la parution du livre Endgame d'Omid de Scobie. Nos confrères ont écrit, cependant, la colère s'est accrue depuis la publication du nouveau livre de l'ami du couple, Omid de Scobie. Les voisins de Monte Quito du prince Harry et de Meghan sont en colère contre les allégations et les affirmations faites par le journaliste et ami du couple concernant la famille royale. Supérieur à Meghan Markle, toutes ces fois où elle a porté le chignon Meghan Markle et le prince Harry, prêt à déménager? Depuis quelques mois déjà, des rumeurs laissent penser que le prince Harry et Meghan Markle pourraient mettre un terme à leur parenthèse américaine. Le prince Harry aurait commencé à se renseigner et à chercher un logement à Londres ou dans les environs. Ceci lui permettrait de se rapprocher de son père, avec qui il semble vouloir réparer les choses. En témoigne l'appel qu'il a passé au soir du 75e anniversaire du souverain. Pour autant, Meghan Markle serait récalcitrante à l'idée de revenir vivre au Royaume-Uni. Mais ses problèmes de voisinage à Monte Quito achèveront peut-être de la convaincre de traverser l'Atlantique avec son époux. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, JLPPA. Just need